Invité dimanche sur le plateau de téléfoot, le défenseur français Samuel Umtiti s'est confié sur son état pendant le mondial. Le joueur de 25 ans avoue notamment avoir joué blessé point Samuel. Umtiti, j'ai pris un risque, mais la Coupe du Monde c'est tous les quatre ans. Touché au genou avant la Coupe du Monde, Samuel Umtiti ne voyait pas pourtant manquer le plus grand rendez-vous footballistique de la planète. Mieux, le défenseur du FC Barcelone a fini sur le toit du monde, il a remporté le trophée avec les siens. Mais cela s'est fait dans la douleur pour le joueur de 25 ans qui reconnaît avoir disputé la compétition avec une douleur au genou. Dimanche, l'international français s'est livré sur le plateau de Téléfoot. J'ai pris un risque, mais la Coupe du Monde c'est tous, les 4 ans, justifie le natif de Yaoundé. J'ai forcé dessus, c'est pour ça que ça a compliqué les choses cette saison. Après son retour du mondial russe. Le français a notamment longtemps été éloigné des terrains suite à une aggravation de sa blessure au genou. Une situation qu'il ne regrette pas d'ailleurs. Je ne regrette pas, ce choix-là, livre-t-il. Depuis, le français a subi des soins en club et tente de revenir à son meilleur niveau. J'essaie de retrouver mes sensations après plusieurs mois d'inactivité. Je me sens de mieux en mieux en enchaînant les matchs, explique-t-il. Malgré son timide retour, Samuel Umtiti garde la confiance de Didier Deschamps qui n'a pas hésité à le convoquer pour la trêve internationale. Le Barcelonais était d'ailleurs titulaire vendredi lors du succès des Bleus contre la Moldavie, 4-1. Il est déjà prêt pour le match contre l'Islande, lundi. Bien qu'il reconnaisse que le dernier mot revient au coach. Si le coach me met sur le terrain, j'essaierai d'être performant, lâche-t-il avant de conclure. Mon genou est prêt à enchaîner. J'ai besoin de jouer, le coach a ses choix à faire, point.